Bienvenue sur cette nouvelle édition de Maurice Actu sur Maurice TV. Découvrons le Creative Park à l'occasion du Creative Day du samedi 13 octobre. Au planning, le studio École de Danse, Patrick Mavros, l'atelier organique et le workshop. Découvrons ensemble cette journée sur ces belles notes. Here in Bokla, this is a jewelry company making handmade unique designs in a 168-year-old building. It's the old metal foundry of the Bokla estate. It's been renovated and now it is a world-class jewelry establishment. N'hésitez pas à faire un tour et continuons notre virée à travers l'art. Bienvenue au Creative Park de Beauplan, ce projet qui est renovateur quand même pour l'île et pour la région. Et en fait une plateforme artistique qui va permettre aux artistes, aux créateurs, aux artisans
de pouvoir venir développer leur, leur activité dans des conditions et un cadre de vie qui est quand même exceptionnel. L'idée, c'est que la créativité soit le pilier qui drive toute la stratégie de Beauplan et de Novaterra pour les futurs développements de la région. Et on voudrait vraiment que ce lieu devienne une plateforme culturelle, artistique, créative et qui soit un véritable tremplin pour les jeunes, pour les artistes, pour les artisans, de développer leur activité et de développer les industries culturelles et créatives de l'île. Donc l'idée, c'est qu'on a plusieurs types d'activités qui sont présents. On a des peintres, des designers, des artistes, des danseurs, des artisans joailliers, et c'est d'offrir vraiment une plateforme créative à tous pour qu'ils puissent se rencontrer, échanger ensemble et contribuer à développer Beauplan et le nord de l'île. Voilà du concret pour le long terme. Continuons notre visite au studio, école de danse et au workshop. Tant qu'à moi, je vous dis à la prochaine et je vous laisse sur ces belles images.